Voilà, c'est la mini balade parce qu'il était prévu qu'il pleuve et il pleut pas. J'étais chez moi en train de tourner en rond et je me suis dit putain, je prendrais bien la bécane. Et en vrai, j'ai dit allez, je m'en bats les couilles, je me casse, j'improvise. Et si ça fait 3 vues, bah ça fait 3 vues. Hein. Allez, c'est parti. Alors ce soir, j'ai envie de m'amuser un petit peu. C'était formidable. Salut les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais vous montrer un petit endroit là que j'ai découvert récemment avec des animaux. Je vais vous montrer ça et puis je vais vous dire ce que j'en pense. Alors on est à la Vanzeno, c'est juste en périphérie de Strasbourg. Petit village assez blindé. D'ailleurs une fois je vous ai emmené voir le quartier riche de la Vanzeno, le quartier pavillonnaire riche de la Vanzeno. Parce que quartier riche de la Vanzeno, il y en a plusieurs. Et là j'ai découvert qu'il y avait un petit parc animalier et donc on va aller y faire un petit tour. Voilà, on va aussi en profiter pour s'entraîner avec le drone. Ah putain, il y a toujours masse monde partout où j'aille, c'est un truc de ouf, on casse les couilles. Oh putain. Je savais pas qu'il y avait ça ici. Ça dirait de pas se péter la gueule dans le fossé avec mon rayon de braquage de merde. Petit neutre. On peut faire voler le drone, on a une altitude limitée. Maximum flight altitude reached. Fais-tu cette tête-là? Je croyais que tu voulais absolument me retrouver. Alors, ce petit parc d'animaux là, putain, je découvre. Hein. Au cœur de la forêt de la Vanzeno, vous pourrez observer de nombreuses espèces d'oiseaux et même des daims. Bon, ça me fait pas plaisir de les voir enfermés. Je connais un endroit bien plus sympathique que ça. On peut les voir en semi-liberté. On peut même les toucher. C'est en Allemagne. Le bled, ça s'appelle Silz. Alors, le restaurant La Cour des Chasseurs, je vous en avais déjà parlé. Franchement, si vous venez dans la région et que vous voulez manger une tarte flambée typique, c'est là qu'il faut aller. Hein. Ouais, je crois que ça fait à peu près depuis le début de la guerre en Ukraine que je vous ai pas emmené ici. Hein. Donc ça va, j'abuse pas. Parce que moi, j'aime bien ce coin-là. Alors moi, j'y suis retourné quelques fois, évidemment, en passant à moto. Moi je kiffe ces petits endroits bucoliques là. Avec le reflet du soleil dans l'eau, je sais pas ce que ça donne à la caméra. Mais avec les yeux et la visière solaire, c'est supportable. Après j'ai toujours un œil sur la route.
Et j'essaie juste de cadrer pour que ce soit sympa. Qu'on n'a pas trop de voitures trop moches me croisent quoi. Alors, je dis pas qu'elles sont moches vos voitures, mais bon, vous conviendrez qu'elles sont quelconques. Hein. Voilà, plein de flotte dans le virage. Je me demande pas pourquoi. Quelqu'un a déversé sa citerne ici. Ah ouais, il y a des travaux. Ok. Coupe pas. Je vais pas t'écraser, c'est pas comme ça. Ouais, j'ai hésité à prendre l'autoroute, mais je me suis dit que je pourrais faire un petit Axel. Mais je sais que je vais faire une dinguerie, j'ai pas envie. Allez, on va à mon petit magasin de vape préféré, au vieux vapoteur à Hertz. Le gars, c'est un motard en plus. Alors, si vous êtes motard et que vous vapotez, je vous encourage pas à vapoter, mais entre ça et fumer, les gars, je ne saurais trop vous dire de vapoter. Tu vas bien ? T'as récupéré ? Ah ouais, ouais, depuis un moment là. Je suis presque à court de jus. Du coup, il faut 10 boosters. Ouais. De l'arôme aussi ? Ouais. Dernière fois, tu m'as donné un truc nouveau là, c'était fruit du dragon, il est super bien. C'était le Drago, celui-ci. Ouais, sûrement, c'est ça. Ouais. Ouais. Reprendre même. Allez, il passe bien. Merci. Hein. Attends, je vais sortir avec toi. Ouais, je t'en prie. Hop là. Caillotte quand même. Ouais, ça va. Allez, à plus. Et ciao. Ouais, super sympa, motard. Voilà, les gars, vous ne me verrez pas aller ailleurs. C'était une petite vidéo juste sur la poube, voilà, on va dire, vite motard, voilà. Allez, bisous les gens, revoyez à tous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.